Que la grâce, que la paix de Dieu nous soit donnée au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Quelle joie, et en un sens aussi, quel soulagement de retrouver les cultes cantates. Le plaisir de chanter, le plaisir de partager un chant, le plaisir de méditer en parole et en prière ce que Jean-Sébastien Bach voulait partager avec les chrétiens de son temps à Leipzig, avec un peu plus d'une année et demie de retard. Nous voilà rassemblés, musiciens par les instruments, par la voix, paroissiens d'ici, paroissiens venus de paroisses voisines, rassemblés pour que cette heure soit à la fois une heure de louange, une heure d'écoute, une heure de rencontre de l'autre qui nous accueille. Et pour rendre louange à cet autre, je vous invite à chanter au numéro 3, la première et la troisième strophe, et je vous recommande de les prendre tels qu'ils sont dans le feuillet plutôt que dans le psautier, parce que dans le psautier, il y a une erreur de rythme. Alors je vous invite à vous lever et à chanter. Dieu nous attend, Dieu nous accueille, et il nous accueille tels que nous sommes,
avec la part de lumière de nos existences et la part d'ombre aussi, avec la part des réussites, de ce qui nous réjouit, et avec la part aussi de ce qui n'a pas été comme ça aurait pu ou comme ça aurait dû être. Alors pour confesser notre situation d'humain, notre imperfection, j'ai choisi pour aujourd'hui, pour être un peu dans l'époque de Bach, là, c'est un peu plus tôt, des paroles d'un gentilhomme huguenot charentais du temps d'Henri IV et de Louis XIII, Jean Augier de Gombeau. Le péché me surmonte et ma peine est si grande lorsque malgré moi-même il triomphe de moi, que pour me retirer du gouffre où je me vois, je ne sais quel hommage il faut que je te rende. Je voudrais bien t'offrir ce que la loi commande, des prières, des vœux et des fruits de ma foi. Mais voyons que mon cœur n'est pas digne de toi, je fais de mon Sauveur mon éternelle offrande. Reçois ton Fils, ô Père, et regarde la croix, où près de satisfaire à tout ce que je dois, il te fait de lui-même un sanglant sacrifice. Et puisqu'il a pour moi cet excès d'amitié que d'être incessamment l'objet de ta justice, je serai, s'il te plaît, l'objet de ta pitié. Et voici ce que Dieu nous dit. Voici la promesse qui est promise. Vous qui avez faim et soif du pardon de Dieu, heureux êtes-vous, car Dieu vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de la justice de Dieu, heureux êtes-vous, car vous serez rassasiés. Vous qui avez faim et soif de la présence de Dieu, heureux êtes-vous, car Dieu vient demeurer en vous et agir à travers vous. Voilà la promesse, voilà l'assurance qui nous est donnée. Le psaume que nous avons chanté tout à l'heure l'exprimait en ces termes. Joie et bonheur pour ceux qui t'aiment, tu les assistes chaque jour de ta grâce et de ton amour. Ils auront part au bien suprême que ta main sème. Eh bien, cette justice de Dieu qui est offerte, nous la trouvons aussi au cœur de la cantate que nous avons le bonheur de chanter et d'écouter ce matin. Elle date de la première année d'activité de Bach à Leipzig, 1723. Destinée au huitième dimanche après la Trinité, elle illustrait notamment l'évangile du jour tiré de saint Matthieu. « Gardez-vous des prophètes de mensonges, des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, tout bon arbre porte de bons fruits, et tout arbre malade en porte des mauvais. » Cueille-t-on donc des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Le livret de la cantate reprend cette image dans le récitatif du ténor où il est question des épines du péché et des chardons du vice. Mais ce qui ouvre la cantate, ce que nous avons entendu il y a un instant, c'est un verset du psaume 139. Dans un climat de confiance des fidèles qui invoquent sur eux le regard de Dieu. Scrute-moi, Dieu, et connais mon cœur. Teste-moi et connais mes intentions. Ce premier mouvement, en majeur, se développe autour d'un thème enjoué qui est déclamé d'emblée par le cor et qui est repris ensuite de voix en voix.
et les mouvements suivants, qui sont eux en tonalité mineure, sont comme une sorte de condensé des Écritures. L'air d'alto évoque le jugement dernier, avec une soudaine agitation qui illustre l'ardente colère de Dieu. Et puis la cantate fait référence explicitement à la création de l'homme et à un dogme qui a imprégné la foi chrétienne, le péché originel. Voyez-vous, la faute commise par Adam au jardin d'Éden, lorsqu'avec Ève, il goûta du fruit de l'arbre que Dieu leur avait interdit. Et c'est dans l'air en duo, ténor et basse, qu'il est ainsi question des tâches, des péchés que la chute d'Adam a cumulés sur nous. Une souillure dont seules peuvent nous purifier les blessures de Jésus, le grand flot de son sang versé. Et ce sang précieux liquide, eh bien justement, le choral final le célèbre en soulignant sa puissance, puisqu'une minime gouttelette en suffit à purifier le monde entier et à l'arracher à la gueule ou à la colère, je crois que c'est la gueule en l'occurrence, du diable. Bach reprend dans ce choral final une strophe d'un ancien cantique de Johann Heermann, « Wo soll ich fliehen hin ?» Ces paroles ne sont pas chantées ici, mais subtilement, elles nous renvoient au chœur initial, puisque le chœur initial citait le psaume 139, et bien ces paroles « Où donc irai-je pour échapper à ton souffle ? Où pourrais-je fuir pour t'échapper ?» viennent justement de ce même psaume 139. Comme si Bach voulait nous suggérer qu'entre la transgression première héritée d'Adam et le jugement dernier, nous demeurons sans cesse sous le regard de Dieu et que le sang de son Fils nous délivre du mal et de la culpabilité. Un mot du point de vue musical, il se peut que la cantate soit composée de fragments d'œuvres plus anciennes. Albert Schweitzer la qualifie de parodie d'une cantate profane, dont la musique et le texte seraient étrangers l'un à l'autre. Je laisse la responsabilité de ce jugement à Albert Schweitzer. Quant à Bach, il semble en avoir été satisfait du point de vue musical, puisqu'il décida de reprendre ce chœur initial une quinzaine d'années plus tard, dans l'une de ses messes brèves, la messe en la majeur. Mais voilà, j'ai assez parlé, il est temps de laisser les voix du ténor, puis de l'alto, nous rappeler cette malédiction originelle qui frappe la terre entière, pénètre en l'âme de chaque humain, et puis le jugement à venir au jour où la colère divine s'abattra sur les hypocrites, ceux qui cherchent à paraître autres qu'ils sont ou qui se bercent d'illusions de vertu. Alors, place à la musique. Englisch nicht, das verstellen, man soll.
Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la parole que tu nous donnes. Parole qui sonne plus fort que nos doutes, qui nous redresse et rend vigueur à nos regards. Béni sois-tu pour la parole que tu nous rends. Parole qui nous permet de transmettre à nos frères et sœurs notre foi, notre espérance, la bonne nouvelle de ton amour. Béni sois-tu pour cette parole faite chair en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lirons aujourd'hui au chapitre 3 de la Genèse, tout d'abord les versets 17, non, pardonnez-moi, les versets 1 à 7. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Et nous poursuivons, toujours au chapitre 3, avec les versets 14 à 24. Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi tu la meurtriras au talon. Il dit à la femme, « Je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances et péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. » Il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. « Jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. » Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il
posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. La cantate que nous entendons ce matin nous confronte à une doctrine qui a imprégné la vision de l'humain dans l'Église, le péché originel. D'après le récit biblique de la création, ayant goûté du fruit de l'arbre que Dieu leur avait expressément interdit, arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève furent expulsés du jardin d'Éden où abondait la vie. Par la suite, la Genèse raconte comment violence et jalousie déchirèrent le genre humain, en commençant par Caïn mettant à mort son propre frère Abel, pour aboutir au déluge qui balaya une humanité presque totalement dépravée. Et puis quelque chose d'autre commence avec Abraham. Cette désobéissance première d'Adam et d'Ève pèserait toujours, d'après la doctrine, transmise de génération en génération sur l'ensemble de l'humanité. Et seule la mort sacrificielle de Jésus pourrait l'en délivrer. C'est ce que chante ténor et basse dans l'air en duo que nous entendrons tout à l'heure. La chute d'Adam a accumulé sur nous un poids de péché dont seuls nous affranchissent les blessures de Jésus, le grand flot de son sang. En vérité, l'Ancien Testament ne mentionne quasiment jamais une telle transmission du crime commis par Ève et Adam. Mais l'Église en a fait une vérité de foi qui souligne la nature intrinsèquement pécheresse de l'être humain. L'être humain marqué dès avant même sa naissance par cette faute originelle. Et cette tare congénitale fut bientôt associée
à la sexualité, à la relation sexuelle qui est à l'origine de tout engendrement. Faudrait-il dire aujourd'hui, par rapport à certaines recherches récentes, qui est censé être à l'origine de tout engendrement. D'où l'importance mise par la traduction à la nature virginale de la naissance de Jésus, ainsi préservée du mal. Bien, un gros morceau. Mais quel sens donner aujourd'hui à cette notion de péché originel dont nous serions toutes et tous contaminés dès notre premier souffle et dont seul nous purifierait le précieux sang de Jésus que chante le choral final de la cantate? Une lecture attentive du texte de la Genèse me semble offrir quelques pistes utiles, quelques pistes de réflexion utiles à ce sujet. Et j'en relève deux qui me semblent particulièrement importantes. Premièrement, le fait que le mal n'est pas une puissance surnaturelle. Dans les Écritures, il n'y a pas une sorte de Dieu maléfique, un Dieu du mal, qui ferait face au Dieu bon et secourable. Le récit de la Genèse souligne bien au contraire que le serpent qui incite Ève et Adam à désobéir n'est qu'une créature parmi toutes celles que Dieu a créées. Il fait partie de la création divine. C'est dire que le mal n'est pas une force destructrice qui attaquerait l'humain d'en dehors de la création divine. Si je peux me permettre une image, je dirais que le mal s'apparente plutôt à une sorte de force d'inertie qui ferait régresser la création vers le chaos originel, ou qui tenterait de la faire régresser vers ce tohu-bohu initial où nulle vie ne pouvait éclore ni subsister. Deuxième piste que me semble ouvrir le récit de la Genèse, c'est que ce mal précède l'humain. Dès son premier souffle, l'humain est confronté à lui. Il n'en est pas l'origine, comme si la création était parfaite jusqu'à ce que l'homme vienne y semer la zizanie. Ça, c'est peut-être une idée moderne, mais ce n'est pas les Écritures. L'humain n'est pas l'origine du mal, mais il est appelé à s'efforcer d'y faire front, de faire front à ce mal qui est présent au-dedans comme autour de lui. Et en même temps, il est appelé à s'efforcer d'y faire front sans pour autant parvenir à l'éradiquer, puisque ce mal fait partie intégrante de la création et aussi de l'humain lui-même. C'est ce qu'exprime au cœur du récit de la Genèse le fait qu'Adam et Ève ont mangé, malgré l'interdiction divine, des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ayant ainsi conscience du bien et du mal, l'être humain se trouve perpétuellement tiraillé par des choix à opérer au sein d'une création où le bien n'est pas seul. Ainsi, l'humain est divisé, il est déchiré entre un bien auquel il aspire et un mal qui est toujours présent, menaçant. Paul en fait l'aveu dans sa lettre aux chrétiens de Rome. Le bien que je veux, je ne l'accomplis pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Et je dirais que c'est justement ainsi. Avec ses connaissances fragmentées, avec sa conscience déchirée et malheureuse, c'est justement ainsi que l'humain accède à l'état d'adulte, responsable de ses actes. D'ailleurs, je note que dans le récit de la Genèse, ce n'est que après qu'Adam eut mangé avec Ève du fruit de l'arbre interdit, ce n'est qu'après que Dieu interpelle Adam comme une personne particulière en le nommant de son nom, Adam. Et puis,
C'est après seulement qu'Adam, à son tour, donne à la femme son nom propre et unique, Ève, la vivante. Car jusque-là, si j'ose dire, la femme n'était qu'une partie d'Adam. Isha, femelle, à l'image du mâle Ish. À partir de la consommation du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'humain devient quelqu'un de responsable avec un nom, et la femme aussi. Ces deux précisions étant données, qui me semblent débroussailler un peu le terrain, je n'ai pas la prétention, en 15 minutes maximum de prédication, de résoudre le mystère du péché originel, rassurez-vous. Mais quelques pistes. Quel sens cette notion de péché originel peut-elle avoir pour nous aujourd'hui? Elle a aussi deux pistes. Premièrement, cette notion rappelle qu'il n'est pas à la portée de l'être humain de parvenir par lui-même, par ses études, par ses efforts, à une pleine connaissance, ni à une vie juste et harmonieuse. Et là, je cite Luther qui constatait, j'en fais l'expérience moi-même chaque jour, « Le péché est comme les poils de ma barbe. Je peux bien me raser chaque matin, il repousse toujours. Mais je me dois de me raser quand même et de lui résister comme je peux. » Eh bien, il se trouve que les pires méfaits de l'histoire humaine furent généralement le fruit de systèmes, de doctrines ou de sagesse qui prétendaient conduire à une société parfaite dont le mal aurait été extirpé. En vérité, comme le rappelle l'Évangile, on n'élimine jamais l'ivraie sans détruire en même temps le bon grain. Comme l'affirmait Pascal, l'humain n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Il fait la bête tout simplement parce qu'il oublie ou qu'il refuse, pire, de considérer cette part d'ombre et de ténèbres qu'il habite au plus intime de lui-même. C'est ce que rappelle au cœur de la cantate de Bach le ténor dans le récitatif. Les enfants de l'enfer cherchent souvent à se déguiser en anges de lumière. J'en viens ainsi au second constat, qui me semble utile pour aujourd'hui. Un constat qui découle justement du fait de reconnaître cette nature faillible de l'être humain. Parce qu'il est universel, le péché, on pourrait le dire aussi le mal, revêt toujours une dimension relationnelle et historique. Un exemple, le coronavirus, qui a bouleversé nos habitudes et notre vie sociale, qui a bouleversé aussi nos cultes cantates d'ailleurs, le coronavirus vient de mettre en évidence combien nous sommes liés les uns aux autres et comme nous sommes liés au temps que nous vivons. Une infection qui touche une partie de nos semblables à l'autre bout du monde, nous affecte également ici, dans notre propre vie, aussi bien personnelle que commune. Et nous ne pouvons pas, même en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires, comme nous essayons de le faire, nous ne pouvons pas nous en laver les mains, comme Ponce Pilate pensait pouvoir le faire de sa responsabilité personnelle, dans le jugement et la mort de Jésus. Autrement dit, humains, nous sommes toujours co-responsables des faiblesses et des fautes les uns des autres. De même que nous le sommes aussi de celles de nos prédécesseurs. Aucune ni aucun de nous n'est une page blanche immaculée. Dès notre premier souffle, nous héritons des lumières et des ombres, des grandeurs et des petitesses de celles et ceux qui nous ont donné le jour, nous ont nommés, nous ont nourris, nous ont éduqués, nous ont guidés dans notre connaissance et notre conscience du bien et du mal. Et de même, nos enfants,
nos petits-enfants, auront à vivre dans la communauté humaine, plus ou moins équitable, et sur la terre, plus ou moins habitable ou dégradée, que nous leur léguerons. Voilà, je crois, ce que peut nous enseigner ou nous rappeler judicieusement aujourd'hui la vieille notion de péché originel. Que le mal fait partie de notre condition d'humain sans que nous devions nous en sentir coupables, ni entretenir l'illusion de nous en épurer par nos efforts, nos mérites, notre intelligence ou notre discipline. Mais aussi que ce mal n'est pas une réalité surnaturelle, une sorte de divinité ou de destin qui nous accablerait d'en dehors de la création sans que nous puissions faire quoi que ce soit pour lui faire face, pour lui résister, en sorte qu'il n'ait pas le dernier mot sur notre terre ni sur la terre des humains. Et je crois que là, nous sommes portés par une promesse, par une espérance dont témoignait l'apôtre Paul, que c'est juste après, dans la même lettre aux Romains, au chapitre 8, que la création et avec elle l'humain est toujours encore en enfantement, en devenir, dans la lumière du Christ, crucifié et ressuscité, ou comme le disait Paul, crucifié pour nos transgressions, ressuscité pour notre justification. Amen.
Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Dieu notre Père, nous te prions pour nos compagnons en humanité et pour nous-mêmes. Viens à notre aide. Donne-nous de percevoir tes signes lorsque le mal sous ses multiples formes l'emporte sur la confiance, lorsqu'il nous renferme sur nous-mêmes et nous fait désespérer de l'humain. Nous te remettons celles et ceux qui ne voient guère autour d'eux qu'adversaires ou accusateurs et ne voient guère en eux-mêmes qu'un vide ou un échec. Celles et ceux dont les épreuves ont brisé les liens de tendresse et de solidarité et qui n'en peuvent plus de se sentir ignorés, rejetés, inutiles. Celles et ceux qui n'attendent plus rien des autres, ni d'eux-mêmes, et ne parviennent plus à supporter les regrets de leur passé, la pauvreté de leur présent, l'incertitude de leur avenir. Engendre et renouvelle en eux, comme en chacune et chacun de nous, la conviction que, en Jésus-Christ, sous son regard de bienveillance et de miséricorde porté sur ses semblables, l'amour l'emporte en dernier lieu sur le mal et la mort, et que rien ni personne jamais ne pourra les en dépouiller ni nous en dépouiller. Et en ce jour commémorant la Réformation, nous nous remettons à toi avec ces mots inspirés de Martin Luther. Dieu, permet que je demeure ferme dans la foi et ne cède pas au désespoir. Non pas parce que ma prière serait bonne, mais parce que toi, tu es la vérité, le chemin et la vie. Rappelle-moi et rappelle-nous toujours encore que nul ne peut nous faire du mal sans se nuire mille fois plus à tes yeux. Afin qu'ainsi nous soyons portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en aversion. Accorde-nous de résister à la tentation du mal et de la violence, pour que nous puissions vivre solidaires en vrais enfants de Dieu. Ainsi, avec les paroles de ton Fils, nous pourrons te prier d'un même souffle, d'un même cœur, plutôt que chacun pour soi-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'aurai deux annonces pour qui complètent ce qui est sur la feuille. D'abord, pour vous rappeler que l'offrande qui sera recueillie pendant le chant suivant est destinée cette année à la rénovation du temple de la Fusterie. C'est la collecte de la Réformation qui est recueillie dans toutes les églises protestantes de Suisse. Et d'autre part, que vous avez trouvé dans les feuilles que vous avez reçues, une page pour commander des rouleaux de printemps préparés par Contact Jeune. Alors si vous souhaitez faire cette commande, merci de rendre la feuille, de la remplir et de la rendre à l'issue de ce culte. Voilà, là ce n'est pas une annonce, mais c'est simplement joindre ma voix pour que ça soit nommé
aux remerciements qui sont sur la feuille, remerciements à tous les musiciens qui donnent vie par les instruments et par la voix à cette cantate de Bach qui nous relie au Créateur et au Sauveur. Et c'est justement le Sauveur que nous sommes invités à chanter maintenant par trois strophes, première, deuxième et quatrième, du numéro 279, « Ô Jésus, ma joie ». Et je vous invite à vous lever. Je vous invite à rester debout pour la parole d'envoi et la bénédiction. Avant d'invoquer sur nous et sur l'humanité la bénédiction de Dieu, rappelons-nous ceci. Recevoir la bénédiction, c'est vivre et agir avec la certitude que Dieu a foi en l'être humain. Tel qu'il est, avec ses ombres et ses lumières, avec sa force et ses faiblesses, l'être humain, dans cette condition que Dieu a pleinement partagée en Jésus, son Fils en éternité, notre frère en humanité. Oui, Dieu croit en l'homme, créé à son image de Père, sauvé par son amour offert en Jésus-Christ, guidé
par son esprit. Que Dieu nous garde toujours dans sa lumière de vie. Qu'il nous donne de vivre toujours dans la grâce de Jésus-Christ, compagnon en humanité, fils de Dieu en éternité. Et que l'Esprit Saint renouvelle toujours en nous les dons inépuisables de foi, d'espérance et d'amour. Allons avec la force et dans la lumière que Dieu nous donne. Amen.
Thank you.